cette période d'écart que nous avons franchi. Alors, premièrement, c'est cette période au cours de laquelle nous avons pris conscience de l'arrivée du monde et nous avons commencé à agir. Et nous avons, à cette étape également, pris l'intention de gérer tout le monde. Et nous avons, à l'entame de cet écart-là, nous avions pris l'intention de gérer et nous avons fait l'examen de conscience. C'est ce qu'on avait demandé aux frères et aux autres. Faire d'abord l'examen de conscience pour voir ses faiblesses et ses forces par rapport aux deux relations que le Seigneur nous a données. La relation horizontale, c'est ma relation avec les mes proches, les parents, les voisins, l'ensemble des hommes. Quel est l'état de Dieu? Est-ce qu'il n'y a pas des insuffisances? Est-ce qu'il n'y a pas? Est-ce qu'il n'y a pas? Et après cela, il y a la relation verticale, qui est la relation notre spirituelle, notre connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, et nous devons également avoir, n'est-ce pas, l'état des lieux avant d'entamer, n'est-ce pas, les mois de Ramadan. C'est au cours également de ça, lorsque nous allons élever les insuffisances, nous allons prendre un engagement. Nous devons nous repentir et prendre un engagement pour avoir un programme, un plan d'action spirituelle. Voilà ce que je vais faire pour élever les défis. Et voilà mon objectif à l'issue du mois de Ramadan. Et on calme ça. Et on commence maintenant à gérer. Et cette étape, la dernière phase de cette étape, la première décade, ça va nous permettre de faire les bilans des 10 jours de jeûne. Et ça va nous permettre de voir, après avoir épuisé un tiers des activités, de ce que je devais faire, est-ce que l'objectif, j'ai sans venir les objectifs? Puisque c'est la piété. Normalement, après 10 jours de jeûne, ce qui ne devait pas être, ce que nous devons faire, si les péchés que nous faisions avant Ramadan, nous sommes toujours capables de les faire facilement, c'est que ça ne va pas. Puisqu'en principe, et lorsque nous devons, nous avons jeûné 10 jours, en principe, nous avons contrôlé tous nos organes et les péchés, nous devons avoir présentement là, être vraiment dans l'impossibilité ou bien en tout cas dans les difficultés pour commettre toujours ces péchés.